Le retour au confinement partiel le 3 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire national rime avec des nouvelles mesures notamment et surtout dans le secteur des transports. Pour répondre les propos du ministre d'État, ministre de l'Intérieur Noël Lambert-Mata, je cite, les taxis bus faisant dans le transport devraient désormais avoir 9 personnes y compris le chauffeur. Et pour les petits taxis clandomanes, 3 personnes y compris également le chauffeur. Une décision qui aujourd'hui pèse sur le portefeuille de nos compatriotes puisque les prix des trajets seraient désormais à la hausse. C'est un manque à gagner pour eux aussi. Mm-hmm. Parce que le nombre de clés est diminué. Hein? Vous savez que si ça augmente, je ne peux pas gagner ce que je peux gagner avant. Hein? C'est dû au confinement. Pour ce qui est arrivé, tout le monde en pratique. Du côté du taximan, comme ce dernier, tout dépend de la mise du client. Je dis qu'on a augmenté les tarifs, mais ça dépend toi-même. Peut-être que tu es pressé. Il y en a l'autre à la laïque dimanche ici à Wondé, 500. L'autre a demandé 800. Ça dépend de ta poche. Ça ne veut pas dire qu'on a augmenté les tarifs. Or, sur ce petit trajet au cas la carrière dispensaire, taxibus comme petit taxi prennent 200 francs CFA la tête, chose qui devrait toutefois attirer l'attention des autorités.